Salut tout le monde, je suis sur Train Station Rénovation, un petit jeu de simulation pour ceux qui ne connaissent pas, un petit jeu indépendant, développé par Live Motion Games, disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et Xbox One. Ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un jeu où on incarne une entreprise de rénovation spécialisée dans la restauration de gares. Donc voilà, c'est un jeu qui se déroule dans des gares abandonnées, détruites, et on est là pour les rénover. Un petit peu comme House Flipper, sauf que House Flipper, c'est des appartements qu'on rénove, des maisons. Donc voilà, là on est vraiment dans le style gare donc ferroviaire. Donc on va commencer par des petites gares rurales, d'accord, pour après, en avançant, se confronter donc à de grandes gares dans les grandes zones, donc dans les zones métropolitaines. Donc voilà. Donc écoutez, on va commencer ça. Hein. Donc du coup, on y va. Alors je vais faire juste. Ouais, je vais faire reprendre. Ok. Alors bon, écoutez, moi j'ai juste fait le tuto un petit peu pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc je vais le refaire pour vous. Alors ici, donc ici on a nos outils. Donc au fur et à mesure des avancements, on va gagner des étoiles et avec les étoiles, on va pouvoir débloquer donc les différents niveaux de nos outils. Donc vous voyez, éponge, pinceau, balai, pied de biche, truelle, papier de verre, clé anglaise et éventuellement le détecteur ici. Voilà. Donc moi je trouve ça que c'est pas mal. C'est exactement comme du House Flipper. Et moi j'aime bien ce genre de jeu là. Donc ici on a la carte. Voilà. Donc on a 15 gares. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a de quoi faire, on a de quoi faire. Ici le tutoriel et ici donc l'ordinateur pour pouvoir accéder à vos paramètres, etc. Et la pièce d'à côté, c'est en fait c'est un genre de grand circuit, même je dirais, pour pouvoir voilà, vous construisez votre train au fur et à mesure de votre avancée, hein, d'accord. Et puis bah vous pouvez jouer au petit train, donc c'est rigolo, c'est fun. Voilà. Donc là plus vous allez avancer sur la map, et puis bah plus vous allez éclairer donc cette partie là. Voilà, mais ça moi je connais pas, donc je vais le découvrir avec vous. Donc du coup on va lancer le tuto. C'est parti. Bienvenue dans Train Station Rénovation. Donc voilà. Donc voici le petit tutoriel. Bon, on a une petite gare, hein, voilà, tranquille. On va aller un petit peu déglinguer. Bon, il n'y a pas grand chose. Donc écoutez, c'est parti. Donc utilisez L pour t'approcher de la benne à ordures. Ok. Appuyez sur L2 pour acheter le conteneur de tri. L'argent que tu gagnes pour la rénovation des gares te permet de faire des achats. Donc on y va. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas le choix. Hein. C'est soit on a mixte ou séparé. Donc, on va prendre séparé. Ok. Donc là, ça coûte forcément de l'argent. Ensuite, on va ouvrir les containers. Voilà. Et on voit que, voilà, ici, nous avons donc carton. Là, c'est plastique. Ok. Et là, c'est du verre. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Appuyer sur rond pour utiliser le scanner afin de mettre en évidence les déchets à proximité. Voilà. Il existe différents types d'ordures, plastique et métal, papier, verre et mixte. Rassemble les objets éparpillés pour remplir ton sac. Donc vous avez entendu la petite, le petit bip là. Ça en fait c'est quand vous lancez le scan, vous voyez en haut à droite, vous avez une petite barre. Et dès qu'elle est chargée, hop, le petit bip. Voilà. Donc, hop, on ramasse. On ramasse les détritus. Hop, ok, alors un sac. Donc du coup, hop, on prend le sac et on le met, comme c'est un sac vert, on le met dans le verre. Simplement. Je vais faire un petit bâton.
Voilà, veuillez jeter les déchets. Si une benne est pleine, approche-toi d'elle et appuie sur L2 pour la vider. Alors bien sûr, on peut charger hein, plusieurs sacs. Hein, là, le tuto il explique juste comment on fait. Donc du coup, on fait L2 pour nettoyer. Hop, voilà. On maintient R2 pour vendre le conteneur. Si dans le genre vous en avez plus besoin, vous voulez changer de conteneur, vous pouvez le vendre. Voilà, on récupère un petit peu d'argent. Maintenant, on maintient R2 pour vendre le conteneur. Voilà, achète un conteneur mix, tu peux mettre tout type de déchets dedans. Donc là, on part sur du mix. Donc là, c'est vraiment les gros conteneurs. Donc là, c'est des déchets qui vont rien nous rapporter en fait. D'accord. Donc là, on va collecter donc les déchets marqués jusqu'à ce que ton sac soit plein. Pendant le ramassage, tu verras le pourcentage des déchets que tu as ramassés. Hop, un petit coup de radar. Voilà, et donc du coup, on va essayer de ramasser. On va prendre ça donc. Hein. Non, on peut pas. Non. Non, c'est ça. Attends pour moi. Ok, R2. Ok. Il y avait ça aussi, je crois, non, non je sais plus. Non, c'est ça. On est d'accord. Hop. Voilà. Bon, tu n'as pas à transporter chaque poubelle, tu peux la jeter dans le conteneur en te le R2. Voilà. Donc ça effectivement si vous avez un conteneur comme ça vous pouvez quand même mettre vos sacs. Que ce soit les sacs bleus, les sacs jaunes, les sacs verts, peu importe. C'est juste que c'est dommage parce que en fait vous perdez un peu d'argent quoi si vous faites ça. Autant les mettre dans des conteneurs qui sont recyclés. Alors, pour accéder au menu des outils, donc passe la souris sur éponge pour la choisir dans le menu radial. Maintien R2 pour choisir les zones de graffiti, ok. Donc vous voyez, là vous avez accès à tous vos outils. Donc certains outils ne sont pas utilisables sur certaines maps. Voilà. Après tout va dépendre du travail que vous aurez à faire. Donc là, il faut qu'on nettoie monsieur là. Bon ça se prend bien en main, il hein. n'y a pas de soucis là-dessus. Voilà. Après la musique elle est peut-être un peu forte. Alors si je peux pas baisser la musique. Et oui je peux, bien sûr que je peux. Après la musique elle est agréable hein. Mais bon. Hop, ok. Alors ensuite maintenant, on va essayer de récupérer le pinceau. Voilà, et on y va. Vous voyez, c'est vraiment tout bête, hein. On passe dessus. Voilà quoi. Ils sont pas au milieu de près dans le jeu. Hein. Alors ensuite, il faut aller chercher la truelle. Hop là. Ok. Ensuite, on va chercher le papier de verre. Et là, on va réparer les rails rouillés. Alors, c'est parti. Parce que oui, il y aura aussi des rails à faire. Ok. Ensuite, maintiens le sprite égal. Ah ouais, par contre, là, le niveau de traduction, c'est pas top. Ok, on va aller prendre le pied de biche. Il est là. Là. Voilà, donc on casse et ça remet direct. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, maintiens le bouton R2 pour détruire les gros objets cassés et utilise le pied de biche. Ok. Et ben voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, donc on prend la hache pour choisir rien. Utilise la hache sur la boîte en surbrillance. Tu peux utiliser la hache pour détruire la plupart des déchets en bois et les pneus. De cette façon, tu n'as pas besoin d'emmener tous les déchets dans le conteneur. Alors ça c'est vrai, mais bon, il faut y penser. Hein. C'est vrai que quand on commence à tout ranger, à nettoyer, on pense pas à tout ça. Et puis, instinctivement, on prend effectivement les pneus, les cartons, les machins. Et puis, bah, on perd du temps. Mais bon, après, voilà, attendez, c'est pas un jeu de speed. Hein. Hein. Alors, il y a des niveaux où tu auras besoin d'une lampe de poche pour réparer les déchets. Ok, donc là, tac, ok, nickel. Ça marche. C'est parfait. Excellent! Des outils spéciaux trouvés dans ta voiture te seront utiles lors de certaines missions. Les missions sont dispersées sur toutes les cartes. Tes missions en cours sont visibles dans le coin supérieur à gauche et les missions terminées sont marquées en vert. Prends l'outil en surbrillance. D'accord. Voilà. Hop là. Alors, coupe le cadenas et appuie sur R2 pour ouvrir la porte de la réserve. C'est ça? Ouais. Hop, ok. C'est le 2. C'est dégueulasse ici. Hein. Alors, maintien survol clé pour
Le choisir dans le milieu radial, maintien R2 pour réparer l'interrupteur. Ok, donc on y va pour la clé anglaise, hein, bien sûr. Voilà, appuie sur L2 pour allumer les lumières. Maintiens le carré sur vol balai. Pour la choisir dans le milieu radial, maintiens le bouton E pour balayer le sol, l'étoile d'araignée et les détritus. Balaye le sol et l'étoile d'araignée. Ok. On est parti. Non, tu veux pas? Mais ça, tu veux pas? Ouais, non, je pense que c'est juste parce qu'ils expliquent ce qu'il faut faire, mais sinon, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Donc, bien évidemment, à chaque fois qu'on. Voilà, après, vous allez évoluer vos outils. Forcément, après, vous aurez un balai de deuxième classe, on va dire. Un balai qui balaye plus vite et plus de détritus en même temps. Donc, etc., etc. Forcément, on commence petit au début. Après, on devient grand. Non, c'est pas bon. Hein. Ok, ben voilà. Bien joué. C'est l'heure d'avoir du nouvel équipement. Pendant que tu rénoves, tu peux remplacer d'anciens objets par de nouveaux venant du magasin. Appuie sur le bouton au centre pour ouvrir la tablette et accéder au magasin. Alors. Ok, donc c'est là, effectivement, qu'on achète plus ou moins les objets qu'on a besoin. Les objets neufs. Donc ok, c'est intéressant. Bon bah là j'ai pas trop le choix en même temps. Voilà. Donc on voit, vous voyez, hein, prochaine récompense, progression 33%. Donc là c'est le nombre d'étoiles qu'on va gagner. Vous voyez, grâce à ces étoiles là on va pouvoir améliorer nos outils du coup. Alors les objets que tu dois placer. Donc les objets donc apparaissent, tous les objets qu'on achète, dans la barre du bas. Donc voilà, vous voyez. Donc du coup, et là, voilà, et on va le placer là, hein. La commission qui va bien, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu veux bien placer R2, non, ok, il veut pas, ah si, il veut. Voilà, super, maintenant il est temps de peindre les murs, ouvre un magasin, sélectionne les matériaux, et achète le premier matériau de la liste. Dans la version actuelle du jeu, tu peux remplacer le matériau sur les murs, le plafond et le sol de n'importe quelle couleur. Bon, c'est parti. Alors, du coup, on va aller là-bas. On a pas mal de choix quand même là-dedans. On a quoi? Des poubelles, on a les machines automatiques là, on a les trucs à tickets, je pense. Ça, ça va être des meubles, je présume. Ça, c'est des décorations. Ça, je sais pas. Ah si, c'est les machines à café, c'est tout ce qui est électronique, je pense. Ça, c'est les fauteuils, les sièges, etc. Ça, ça doit être les chiottes. Ça, ça doit être aussi donc tout ce qui est lavabo, etc. Ça, c'est des horloges. Et donc là, on a les murs. Ok. Et là, on peut choisir différents murs aussi. Hein. Ça, je sais pas. Brique classique, brique classique, brique classique. C'est quoi ça avec le train? Je sais pas tout ce que c'est. Je vois qu'il est en haut là, félicitations, tu as réussi à terminer toutes les tâches de ce niveau, continue la rénovation. Bah là on va continuer, on n'a pas fini. Hop, on achète. Hop là, donc du coup. Alors, sélectionne maintenant le pinceau dans le menu outils. Et approche-toi du mur et utilise le rouleau. Donc ça doit être ça, ouais, voilà. Hop. Ah oui, d'accord, en fait on peut. Après on peut choisir en fait ce qu'on a. D'accord. Bon après il faut avoir du stock. Hein. Là j'en ai acheté qu'un effectivement mais Ah oui d'accord, oui c'est vrai que c'est. Ah oui c'est... je m'en souvenais plus. Ah oui c'est très rapide, hein, vous voyez, hein, c'est. Vous n'êtes pas obligé de faire voilà. Ça, non, c'est. Voilà. Ça, c'est assez rapide. Bon travail, tu as fini le tutoriel. Maintenant tu peux rendre la gare à son propriétaire en appuyant sur le bouton finir le travail sur la tablette. Ou tu peux continuer de nettoyer si tu veux. Ouais bon bah après voilà, c'était juste un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, mais. Ouais, je vois, est-ce que je peux... Ah oui, alors c'est vrai que là on peut pas prendre l'objet parce qu'on a déjà le pinceau dans les mains. Donc du coup, il faut. Voilà, c'est ça. Non, tu veux pas mince, attendez. Ah oui, main. Voilà. Hop là. Boum. Alors je crois aussi qu'il n'y a pas moyen de les lancer aussi, les bordels. Ah si, voilà, regardez. Allez! Je sais même pas si je peux le faire ou pas. Oh.
Oh! Bon, ok. Allez, hop, voilà. Donc, etc., etc. Hein. Après, on ramasse, voilà, on ramasse toutes ces petites merdes-là. Et puis, au fur et à mesure que vous ramassez, bah, du verre, du métal, même des feuillages, je crois, il y a des feuillages qu'on peut effectivement ramasser. Bah, ça vous crée des sacs poubelles de différentes couleurs. Une fois que votre sac de verre est rempli, pouf, il sera au sol. Donc, il faudra le ramasser et puis le mettre dans une poubelle de recyclage ou pas. Vous voyez, là je ramasse pas mal de canettes. Par contre, hop, ça c'est pareil, on devrait pouvoir le casser, non? Ah, mais voilà, vous voyez, je clique dessus et ça me demande donc le pied de biche pour casser. Donc, si par exemple je prends le pied de biche, hop, voilà, et là, je casse. Voilà. Donc là, on va se remettre en main nue. Hop. Allez. Voilà. Donc, etc., etc. Et une fois que vous avez vraiment tout vidé, tout nettoyé, bah après, voilà, à vous de faire, à vous de faire votre propre donc rénovation, hein, n'est-ce pas? Démonter. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, pareil, ça démonte avec le pied de biche, etc., etc. Bon, bah voilà, on a fini le petit tuto. C'est pas bien compliqué, hein. Moi j'aime bien ce petit jeu-là. Puis c'est calme. Voilà, on se prend pas la tête. Faut le démonter ça aussi? Ah ouais, d'accord, on peut vraiment tout démonter quoi. Enfin, sauf les panneaux peut-être, mais. Bon, ouais, c'est pas mal. Du coup, ok, nanananana. Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Ouais, encore plein de choses ici. Ah ouais, d'accord, on ramasse ça. Donc vous voyez, faut vraiment être vigilant. Il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses à faire. Allez! Ah bah je crois que j'ai eu celui-là. Oh, joli tir. Hop. Et voilà. Donc ça c'est pareil. Oh là 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 là. Franchement. Alors oui, pareil aussi, je crois savoir que quand on place effectivement des objets comme ça dans la poubelle, bon, là à partir du moment où vous, si vous pouvez plus le prendre, c'est qu'on va dire que c'est compté. On va dire que c'est dans la poubelle et c'est compté. Au moment où vous allez vendre votre poubelle, donc ça sera comptabilisé, d'accord? Par contre, à partir du moment où vous pouvez reprendre, c'est qu'il est mal positionné en fait. Voilà. Hop, on nettoie et voilà. Et après, je peux même vendre la benne. Voilà. J'ai récupéré un peu d'argent. Voilà. Donc, etc., etc. Après, il y a des gares qui sont beaucoup plus grandes. Donc, forcément, un container ne suffira pas. Donc, il faudra en mettre plusieurs. Mais ça, on verra par la suite. On verra par la suite. Et ben voilà. Donc, on va laisser Jadoville. Puis, on va valider ça. Alors, du coup, donc c'est. Ouais. Vous voyez plus ou moins hein, ce qu'il y a en objet. Je vous montre un petit peu vite fait. Donc, franchement, il y a de quoi faire au niveau déco. Hein. Bon après c'est pas les Sims non plus mais il y a quand même moyen. Même au niveau déco moi j'ai que c'est pas mal hein. Il y a quand même pas mal de choix. On peut faire des trucs sympathiques. C'est électronique, ouais, donc c'est ça j'avais raison, c'est bien tout ce qui est électronique. Les meubles, ok. Ok, les bureaux, etc. Les étagères, donc là les chiottes, la queue de PQ et tout. Ok. Donc là c'est les lavabos. Voilà, là c'est les différentes horloges. Et en fait, et enfin les murs, pardon. Différents murs, voilà. Bon bah écoutez, on va terminer ça. Hop. Oui. Donc vous avez votre petit compteur en bas à droite, hein, vous savez, donc le temps que vous avez mis. Après ça joue pas ça, franchement, y a pas de timelapse. Après vous avez le pourcentage, donc vous voyez, là j'ai fait que 49% de nettoyage. Voilà. Mais effectivement, si vous voulez gagner une étoile, je pense que si vous continuez à nettoyer votre donc cette gare-là en tuto, je pense que vous pouvez gagner une ou deux étoiles. Ouais. Thank you.
Des objets perdus très insolites peuvent être trouvés dans les trains. Les découvertes récentes incluent de fausses dents, une planche de surf de 8 pieds et une urne à y descendre. D'accord. C'est vrai qu'il y a aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des trains à rénover. Plus on va avancer, plus on va avoir des choses à faire. Et arrivé à un moment, on va être obligé de nettoyer et de réparer des trains. Et apparemment, dans des trains, il y a des objets à trouver. Donc, c'est pas mal. Pourquoi pas, j'irai. Alors, donc, pour revenir ici, du coup, alors, je crois que la gare, elle est là. Donc, assembler le train. Donc, le train est là. Donc, du coup, si je fais ça, normalement, ça devrait. Voilà. Donc, le train, il avance. Ouais, c'est rigolo. On peut accélérer, ok. Et je crois qu'on peut même aller dedans. Non, caméra libre, je veux pas, moi je veux aller dedans. Je crois que c'est ça. La caméra du train? Ah ok, non même pas, c'est même pas ça. Ok, là c'est la caméra libre, effectivement. Ah voilà, je savais bien. Donc là même en étant dans le train, on peut accélérer si on veut. Bon, je crois savoir que si on va trop vite, arrive un moment dans les virages, on peut se viander. Oh, c'est rigolo, c'est un petit plus du jeu, mais bon. Voilà, donc plus vous allez avancer, plus vous allez débloquer des nouveaux wagons, des nouveaux trains, etc. etc. Donc, oh, c'est marrant, quoi, c'est rigolo. Là, je réinitialise la vitesse, et si je fais rien, d'accord, donc je me remets vraiment au début. Ok, ben, voilà. Bon, c'est marrant, c'est rigolo. Ok, bon bah écoutez, moi déjà je vais vous laisser là-dessus, hein, sur ce tuto. Et puis de toute façon je vais continuer, hein, je vais faire un gameplay et je pense que j'irai jusqu'au bout de ce jeu. J'irai pas merveilleux, mais voilà, un petit jeu qui change. Voilà, mais moi j'aime bien ces petits jeux-là, moi. Tout ce qui est jeu où on est là pour nettoyer, pour rénover. Moi c'est sympa, ça change et puis c'est. Voilà, on est bien. On est bien, on prend son temps, tout ça, on n'est pas stressé par quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse sur cette belle vue. Voilà. Et je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Salut! Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, bonne année. Excusez-moi, bonne année, bonne santé. Prenez soin de vous, les gars. Allez, ciao.